Zanmi telespektate, bonsoir. Non pa mse Yvenson Frank, bienveni nan telejournal la pou Aswaya. San pè di tan, men pi gwo pwen nou bral devlope pou. Yon délégation, trois parlementaires français qui fait partie groupe Amitié France-Caraïbes qui te gen ak yo ambassadeur français en Haïti. Elisabeth Béton en délègue, chita palé jeudi 26 avril là, président Sénat République là. Joseph Lambert ak plusieurs autres sénateurs sous coopération entre Haïti ak la France. Caravane changement, demande pour Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine soumettre dossier nouveau ministre ak dossier OAVCT. C'est quelque parmi sujet ministre Kilti à communication, hein, Joseph Guilherme Delva, abordé jeudi à dans cadre premier conférence pour la presse Libaye. Jeune fille en service ak technologie pour nous aller pile loin, c'est sous thème ça, Conseil national de la télécommunication Conatel, célébré jeudi 26 avril là, journée internationale jeune fille dans secteur technologie information ak communication. Cinquième édition Semaine de l'Europe en Haïti a réalisé sauti 30 avril pour arriver 15 mai dans quatre villes en PIA. D'après représentant Union européenne en Haïti, Vincent Degère, activité qu'il tirait avec artistique, ça a bien pour lancer dans ville Gonaïve. Plan international organisé jeudi 26 avril, là, y a un salon sous éducation avec représentant différents secteurs et puis espèces non domaine risque à catastrophe naturelle. Ces informations, ça y est, nous allons développer pour un petit moment. Restez branchés, Naptoune. Merci d'être branché télévision pour la télévision nationale d'Haïti. N'a démarré avec la rubrique météo. C'est Wilner Polidor qui a présenté nous. Salut à tous et à toutes. C'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour prévision météorologique là. Hier soir encore, tu as eu un pile la pluie sous capitale là et sous quelques départements, surtout département centre. On a vu comment la situation est. La situation ça a persisté pour aujourd'hui à demain, après demain, parce que nous prévoit un pile la pluie sous pays pour aujourd'hui à demain, après demain. Nous avons Mazela qui toujours été humide sous le pays d'Haïti parce que non seulement nous avons un front qui trouvait au niveau de Cuba et nous avons un creux en surface qui trouvait au niveau de Porto Rico. Situation ça a généré sous grandes Antilles un Mazela qui humide et instable. Et là nous avons soleil là pendant la journée qui réchauffait la terre là et nous avons brise de mer au cours de l'après-midi qui a porté humidité pour renforcer le développement nuageux. Nous avons gagné non seulement la pluie avec l'orage aussi sous pays a et là nous parler de l'orage c'est éclair avec grondement tonnerre que nous pourrons attendre dans ciel pays d'Haïti le département qui a concerné aujourd'hui à département sent toujours en bas gros risque pour gain inondation parce que la pluie a continué de tomber encore pour aujourd'hui a nous gain département Antibonite l'ouest encore a gain la pluie pour aujourd'hui a nous gain le sud-est le sud et la Grand-Anse toujours gain possibilité pour gain gros averse la pluie même si l'autre département aussi averse isolé mais département de cité là demande des populations rester vigilant parce que la pluie a continué tomber sous zone ça yo pour capitale avec zone qui environnel yo encore aujourd'hui on a gain la pluie sous majorité quartier yo et surtout au sud de capitale là demande moun yo précaution avec prudence parce que la pluie commence à tomber commence sol là commence à saturer et gain possibilité pour gain inondation et c'est pour ça demande yo précaution avec prudence et température là monter jodi jusqu'à 35 degrés et puis va descendre dans c'est 23 degrés mais pas gain fraîcheur par rapport avec quantité la pluie qui a tombé sous capitale avec zone qui environnel yo en soirée et au cours de nuit là c'est une mer qui peut agiter sous ni côte nord ni golfe de la Gonave, mais précision, c'est que côte sud pays d'Haïti, non seulement l'a agité près des côtes, mais aussi au large. Le fait que nous prévoyons activité la pluie sous région sud-là, nous demandons des capitaines de précaution avec prudence parce que visibilité a réduit sous côte sud pays d'Haïti par rapport avec la pluie et l'orage qui est capable de tomber sous l'Améa. Et pour page astronomique, soit elle a couché très tard aujourd'hui, c'est à 7h10 et la pleuvé demain matin à 6h24. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous allons croiser demain pour notre page météorologique. J'entends, ça a été annoncé dans Titio, il y a une délégation, trois parlementaires français
qui fait partie du groupe Amitié France-Caraïbes, là, accompagné à l'ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Béton-Délègue, qui t'a parlé jeudi, avec le président Sénat, Joseph Lambert, avec quelques autres sénateurs. Question fonctionnement Assemblée nationale avec Sénat français, coopération Haïti avec la France, dénamitant discussion yo. Sénateur Joseph Lambert, amico Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Délégation de parlementaires français et plus particulièrement du groupe France Caraïbes. Ça a été pour nous une occasion non seulement de faire connaissance, mais en plus de d'avoir une idée sur le mode de fonctionnement tant du Sénat que de l'Assemblée nationale. Nos amis qui sont là, ils sont tous et toutes sénateurs comme nous, et nous avons pu établir le distinguo qu'il y a, ou qui existe entre l'Assemblée nationale en France, qui est pour nous ici la réunion des deux branches du Parlement. Alors que l'Assemblée nationale en France, c'est surtout la Chambre des députés. Alors c'est bien le même système bicaméral avec le Sénat et la Chambre des députés. Chef délégation groupe Amitié France-Caraïbes, sénateur français Hélène Gonway-Dourette, exprimé satisfaction lie pour qualité relation qui gagne entre Haïti et la France. Sénateur Mourette dit a profité visite ça pour évaluer ensemble projet la France a financé en Haïti pendant les souhaitées coopération continuée entre des pays. Il y a un extrait d'un micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. C'est un très grand plaisir pour nous et pour moi en tant que présidente du groupe d'amitié France-Caraïbes d'avoir choisi à la fois la Jamaïque et Haïti pour une semaine de déplacement, de pouvoir venir à la fois au contact de nos collègues ici sénateurs, mais nous avons rencontré aussi ce matin le ministre des Affaires étrangères. Nous avons un très grand nombre de rencontres en bilatéral pour pouvoir évaluer la qualité de cette relation qui nous est très chère. Mais aussi, nous avons des visites de terrain parce que nous voulons voir et pouvoir ramener en France exactement l'avancée de ce que la France fait ici en partenariat avec votre grand pays. C'est un beau pays que nous connaissons par sa culture, par sa musique, par sa littérature, par sa poésie. Et donc, vous avez une richesse humaine extraordinaire dont nous avons un côté d'affection, si vous voulez, et émotionnel de lien avec vous. Mais nous avons aussi, bien sûr, l'intention de travailler à faire vivre cette francophonie que nous partageons et puis comprendre la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour que l'état de droit, pour que la démocratie soit plus forte. Et nous avons bien l'intention de continuer par le biais de l'Agence française de développement de poursuivre un certain nombre de travaux que nous avons pour consolider justement votre pays, vos structures, travailler main dans la main avec les différents ministères et puis aussi bien sûr avec le service d'action culturelle et d'éducation ici pour former des professeurs, former des enfants et puis aider votre système éducatif. L'autre nouvelle ministre qu'il tient à communication, Guilherme C. Delva, pour des explications sous caravane changement, qui c'est en stratégie. Président République, là, Jovenel Moïse, avec Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, pour faire avancer action gouvernement, n'en fait plus route, qui rage rivière, mettez plus électricité dans Comigno, avec fait plus développement dans département. Guilherme C. Delva fait qu'on a un gouvernement déjà fait distribution plusieurs matériels loup by diverses délégations départementales dans le cadre caravane changement. Il y a un extrait dans micro Sainte-Croix Paki avec Hervé Pierre. Qui ça caravane? C'est pas un projet, nos programmes. Je prévois, mon cher, 1 milliard, 3 milliards, il y a mettre dans la caravane, c'est pas ça. Et je dis ça déjà, ça m'a dit là sur répétition, vous entendez déjà. Qui ça lié? Son stratégie que lié. Nous gardons dans le pays, nous depuis 200 ans, gagner un désordre, son lobby, chaque fois qu'on a fait par eux, une stratégie que le président Jovenel Moïse met en place, il dit, attendez,
mais gagne pas le faire. Nous avons pour nous faire là, concerné agriculture, travaux publics, environnement, etc. En nous tout pour te bourrer. Et ça dire en nous tout pour te bourrer, ça n'a fait pour nous faire. Tout le monde pour responsabilité là, fait ce qu'on pour faire. Son pour te bourrer, c'est à dire que l'on regarde Capérin, où est notre petit bout de temps qui fait là, sac fait, moi-même mal me saisi. Actuellement, là, pendant pas avant là, on a regardé parc d'engins lourds qui gagne à travers le pays là. Il n'y a pas de jambe ça. Travail qui commence à fait. Certainement, attention, tout travail sera fait seulement avec fonds l'État. Et pas fonds étrangers, pas d'aide là-dedans. Vous imaginez, comme si le président Jovenel Moïse, premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, gouvernement, t'as vraiment moyen qui était peut-être disponible avant. Ou qu'à imaginer combien de bagages étaient faites là déjà. Donc, son stratégie liée. Et une stratégie à marcher. Et même des gens au niveau international. Et je vais vous faire une communication avec nous prochainement. Sous avancée qui fait dans ce sens, côté Haïti, contrairement à ce que vous pensez, du point de vue on a dit de l'action gouvernementale, vous estimez que vous avez une grosse avancée qui fait dans un petit bout de temps ça par rapport à ce que vous avez fait avant. Groupe 16 députés qui demandaient au Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour soumettre dossier 5 nouveaux ministres qui intégraient le cabinet ministériel là, dit qu'ils recevaient une lettre. Côté Premier ministre là, dit sommation en par entrée dans le procédé parlementaire. Cependant, le Premier ministre l'a dit, il est prêt pour lui remettre dossier. Yo. Député circonscription Kabaréa à Manesluy, avec député circonscription Mibaléa Abel Descolines, qui t'a réagi sous correspondance Premier ministre là. Fait qu'on ait au bras l'écrit, président, chambre députée, pour convoquer Premier ministre. Un extrait. La sommation qu'on a eu à lancer, c'est parce que tout simplement, le président Garibaudou avec vice-président est absent. Il y a ce qu'on appelle la théorie des formalités impossibles ou théorie des formalités exceptionnelles. Donc, en pareille situation, nous n'avons pas de choix, nous avons besoin d'agir dans la célérité. Donc, nous utilisons un huissier qui c'est au ministère public assermenté, donc afin que nul n'en ignore. Donc nous avons besoin de mettre au courant l'opinion nationale, eh bien au courant. À aucun moment de la durée que notre démarche était rentrée dans le cadre d'une procédure parlementaire. Il faut savoir, tout ce qui n'est pas interdit par la Constitution est permis. Donc, nous avons voulu justement signifier à travers cette correspondance pour que nous te prenions l'opinion à témoin. C'est la responsabilité du gouvernement, du président pour le faire remaniement. Nous n'avons pas gagné aucun problème à ça, mais le gouvernement est l'émanation du Parlement. Donc, il y aurait eu des consultations préalables pour montrer que le Parlement existe aux yeux de ce pouvoir. Député circonscription Kinskofla, Alfredo Antoine exprimé désaccord sous sommation groupe 16 députés fait Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour soumettre dossier à 5 nouveaux ministres dans le cabinet ministériel là. Et l'autre bord, député a encouragé chef gouvernement poter dossier yo pour permettre pouvoir législatif là fait travailler comme ça droit. Un extrait dans Miko Kolo Eliezer ak Moïse Wilbridge. Mission que parlementaires ont gagné, c'est normal pour eux faire, pour eux contrôler l'action gouvernementale. Mais cependant, il y a une procédure qui est tracée pour que eux répondent, pour eux adresser de correspondance, pour eux faire des demandes. Donc, procédure là, que c'est bureau A, qui c'est intermédiaire, qu'on passe par bureau A, qui pour transmettre des décisions que le groupe ça a demandé avec pouvoir exécutif là. Donc le bureau étant fonctionnel, moi pareil pour qui ça que groupe parlementaire ça c'est un acte d'huissier. Donc c'est vrai que nous connaissons que groupe ça a gagné en pile commissaire gouvernement la donne, il est capable de confondre rôle yo, mais faut que connaît que actuellement c'est législateur, il n'a pas joué rôle de commissaire gouvernement question acte d'huissier, pas aucune procédure parlementaire dans le parlement. Mais moi pas gagné aucun problème avec pouvoir de contrôle que tout parlementaire doit gagner. Et nous-mêmes, c'est le moment que nous-mêmes, au niveau bureau, au niveau groupe majoritaire là tout, n'attendons que le pouvoir exécutif lui communiquer à bureau, à pièces, documents, tout nouveau ministère. Parce que contrôle
et constitutionnel là faut faire, faut exercer, sauf que nous pas pral sommer nous-mêmes parce que c'est pas un tribunal que le parlement. Ministre Kiltiak communication Joseph Guilherme Sedelvan en cadre première conférence Libaye jeudi 26 avril là sous conjonctive politique là. Expliquer 16 députés qui prennent l'initiative pour sommer Premier ministre Jacques Guy Lafontaine pour soumettre liste documents, 5 nouveaux ministres pas respecter procédure. Et de l'autre côté, Joseph Guilherme Sedelva fait qu'on n'a pas gagné aucune difficulté pour 3 nouveaux ministres présenter ensemble documents avec pièces devant parlementaires. Un extrait d'Amico Sainte-Croix, Paki avec Hervé Pierre. Président République, là, M. Jovenel Moïse, à Premier ministre Jacques Guy Lafontaine et gouvernement voulait travailler en harmonie avec le Parlement. Et c'est très souvent le président de la République a parlé avec des leaders du Parlement, avec parlementaires, pas une animosité, en tout cas pas une prédisposition pour ça. Donc, cela dit, nous devons comprendre que le pouvoir est indépendant. Ça, c'est pour nous noter. Si le Parlement a fait des recrutements, on dit ou bien qu'il y a des parlementaires qui en dedans, ok, et qui taguent des problèmes, alors que on dit Sénat ou bien Chambre députée, c'est eux-mêmes qui l'a pour valider pouvoir sénateur ou bien député. Les eux-mêmes ont campé, ils disent valider pouvoir sénateur député. Exécutif, là, quand ils entrent là, ils disent non, il faut retirer un tel, moi, parce que, ah, on ne parle pas un tel, ou bien un tel, faut bam, tout bagaille, un tel, pour qu'ils soient validés. Et exécutif, là, on va faire ça. Tout comme autorité de nomination. Qui c'est le président de la République, le Premier ministre, c'est autorité de nomination, c'est lui-même qui vient pour le checker et véritablement éligibilité moun. C'est lui qui gagne, autorité de nomination, c'est lui qui vient pour le faire ça. Et donc, ça c'est responsabilité pâle, c'est pas responsabilité parlement. Mais, nous d'accord, que le parlement a un souci pour le checker, pour le débat bien fait, lui qui doit les connaissances, pas connaissance de documents. C'est-à-dire, document ça n'est pas quoi cap potentiel, c'est pas bah imaginaire, c'est des bagages comme si qui est normal, comme si déclaration définitive d'impôt, bagage mise à des certificats, c'est cela, c'est pas rien de difficile. À dire que il y a besoin de nim parce que c'est pas un problème, mais c'est pas question à poser ultimatum, c'est pas question à dire quoi ou pas pour sommer, parlement pas cap sommer l'exécutif, et pas parlement non, un groupe député pas cap sommer l'exécutif, ça n'existe pas. Sous besoin de gagner des informations, ou à venir, ou réclamer information, ou vous demande, ou quand même inviter. Vous comprenez qui quelle autorité qu'on veut, qui dit venir, m'a même connaître, que c'est cela, puis sous les explications, pas où. Ok, donc je pense en toute civilité, dans tout esprit de collaboration, en temps et lieu, pour le ministre, il est capable de communiquer à groupe député qui veut lire. C'est pas un problème parce que je me dis la pièce ça c'est normal pour citoyens, hein? Donc voilà. L'autre dossier dans le journal là, plan international organisé jeudi 26 avril là, y a un salon sous éducation à représentants différents secteurs et puis espèces dans domaine risque à catastrophe naturelle. C'est un atelier pour faire plaidoyer qui visait intégrer aspect risque et désastre dans le curriculum ministère éducation nationale et formation professionnelle. Reportage Anne-Marguerite Auguste et Jean-André Chéry. Atelier ça, c'est pour brasser l'idée son importance pour intégrer volet risque et désastre dans le programme l'école en Haïti. Directrice plan international pour Haïti, Marie-Thérèse Frédéric Jean-Pierre, expliquer enseignement sous gestion risque et désastre comme matière de base dans l'école yo ka aider élèves yo gagne un plus bon réflexe sous comportement yo doit gagner si ta gagne une catastrophe naturelle. Parce que plaidoyer c'est pas seulement pour influencer politique publique mais c'est ouais tout comment que l'état haïtien gouvernement capable mettre budget capable mettre ressources pour que plaidoyer ça li capable venir une réalité que non seulement intégration gestion risque désastre en dans programme Timonio mais c'est ouais comment que l'a appliqué effectivement et comment que ministère l'entour lui-même la prend responsabilité à travers le gouvernement pour le faire suivi pour ouais est-ce que ça que nous souhaitons est-ce que Timonio vraiment y arriver développer des comportements appropriés par rapport à tremblement de terre par rapport à inondation et autres. Directrice générale bien-être social là Ariel Gentil-Villedroin salue initiative ça qui permet de réfléchir ensemble sur plus bonne façon pour améliorer le système éducatif là.
Ça a aidé élèves à gagner plus connaissance sur danger catastrophe naturelle représentée et puis orienté yo sur bonne décision yo doit prendre en famille yo. Et c'est important pour que ti moun yo connaît qui réaction pour yo gagner, comment pour y agir si vraiment gagne des problèmes qui a passé, gagne de l'autre risque encore, nous pas ta souhaiter bien entendu, mais c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Et en plus, éducation nous connaît son bail fondamental, donc l'important pour tout ti moun, surtout pour les jeunes filles, qu'on y a pour éviter aussi des grossesses précoces. Directeur général Bureau Minak Energia, ingénieur Claude Bripti, expliquer brasser l'idée ça permet lui exposer différents types de catastrophes naturelles qui menacent le pays. Parce que d'après lui, ce n'est pas seulement menace sismique qui pesait sur deux pays. Dans ce sens, ingénieur Claude Pripti montrait l'importance pour intégrer court risque avec désastre dans l'école pour faciliter la population à gagner un comportement plus responsable. Nous avons plusieurs autres types de phénomènes encore qui sont capables d'affecter le pays. Donc nous allons parler de tous les phénomènes et enjeux autour. Qui population qui est capable de frapper, et nous conscients que une population qui est plus fragile, c'est jeunesse. Donc, phénomène naturel, c'est des phénomènes récurrents. Donc, ce n'est pas bas information aujourd'hui pour finir, c'est toute vie qui est plus gérée risque. Donc, si les gens qui sont aujourd'hui, demain, c'est des adultes qui sont à pied, c'est eux-mêmes qui sont aux commandes dans le pays. Donc, c'est eux-mêmes pour qu'ils connaissent, pour toujours intégrer le risque naturel dans tout programme de politique, pour que l'autre monde qui vient après eux, bien capable de protéger les têtes. Pendant l'atelier, l'ingénieur Claude Pripti profite et fait état des lieux, des outils qui existaient déjà sous prévention pour réduire les dégâts catastrophes naturelles. Sous Bopal, directrice plan international Haïti a annoncé dans fin atelier, il a sorti avec une feuille de route qui prend en compte préoccupations secteurielles avec propositions plus concrètes sur comment et nécessité pour intégrer la gestion risque et désastre. Dans le curriculum ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Nous prenons direction Cité Indépendance là. Autorité la police dans Gonaïve présenté by la presse 25 avril là. 5 jeunes garçons pour présumer implication yo dans volet affaires moun dans Cité Indépendance là. Dans moment arrestation yo, la police saisit yon zam créole, plusieurs cartouches ak yon motocyclette. Mergena Exalus depuis Gonaïve, Bradino plus. 5 jeunes garçons saillants, qui c'est Jacob Joseph, 29 l'année, Reconi Amédée, 35 l'année, Junior Beauchamp, 32 l'année, Josué Nelson, 36 l'année, à Grégory, ainsi connu, jouent une arrestation yo pour présumer implication yo dans divers actes malhonnêtes dans Cité Indépendance là, à zone qui se côté lio. Dans coup de filet ça, la police saisit une motocyclette bandiota volé avec une arme créole avec plusieurs cartouches qui tape pour Josué Nelson. Inspecteur Rochnel Jean-Marie, c'est porte-parole police là. Dans la Tibonite, gagné 5 moun nou arrêté pour implication présumée dans vol armé à main. Sa histoire révélé c'est que 25 février qui s'est passé a, nèg yo té braqué un moun et bien ak 11 avec zami yo té prend motocyclette li. C'est moto ça yo étiré quelque bagarre là dans yo déformé li et yo a utilisé dans zone là. C'est comme ça, nèg yo té embuscade go dans zone Audivin pour t'al fouiller moun, mais j'aime té toujours dit que dans département nous intensifié patrouille sur tout coin yo. C'est comme ça nèg yo patrouille la police yo jeté yo. Population prend moto a, là le déposer dans poste. C'est comme ça, dans 19 dans matin, Jacob Joseph qui vient sinon le tchou papia, monsieur a réclamé moto. Le monsieur vient avec papier moto, et ouais, c'est pas non, monsieur m'a donné une pièce d'identité. Et puis les policiers ont posé la question que le pas de cas clair, je te voyais monsieur dans le commissariat central. Là, il vient dans le commissariat central, nous avons moto ça, mettre moto a fait déclaration que je te braqué bien à 11 dans date 25 février. Puisque le te quitte un numéro de téléphone dans le cadre de plainte là, là nous fait contact avec nous, justifier vrai que c'est moto. C'est comme ça, nous interviewé monsieur après interrogation, c'est comme ça. Li ba nou l'autre monde qui était avec lui dans jour t'al braquer moun bo divin qui c'est Grégory Amédée et puis c'est comme ça dans cadre collaboration on a arrêté tout l'autre nègre. Porte-parole PNH là Rochnel Jean-Marie dit la police pour transférer dossier 5 jeunes garçons sa yo bay autorité la justice yo poursuite légale pendant le fait qu'on est la police a travaillé sans prendre souffle pour mettre en bacode tout monde qui impliqué dans zak malhonnête dans département Exalus Mergena Gonaïve Télévision nationale d'Haïti. Nous arrivons pour nous prendre une autre pause publicité. Nous allons retourner dans un budget. Nous retournons après pause la 5e édition en semaine de l'Europe en Haïti a réalisé. Sorti 30 avril pour arriver 15 mai dans 4 villes dans le pays. D'après
représentant Union européenne en Haïti, Vincent Déger. Activité qu'il tirait à artistique ça, cap gain pour lancer dans ville Gonaïve à occasion pour moun nan ville au Cap Port-au-Prince ak Jacmel. Apprécier talent haïtien et étranger cap gain pour performer dans différents spectacles y a gain pour réaliser d'après Vincent Déger, représentant Union européenne en Haïti y a dit nous plus dans micro John Herbie Casseus ak Rémi Gojit. Nous allons en fait ouvrir la semaine de l'Europe au Gonaïve. Chaque année on choisit une autre ville pour lancer notre semaine de l'Europe. Cette année ça se fera au Gonaïve et nous aurons donc des projections de films bien sûr, des conférences, aussi des conférences thématiques comme on le fait chaque année, la conférence des ambassadeurs par exemple, donc je serai là avec mes collègues pour répondre à toutes les questions que le public de Gonaïve voudra nous poser sur les relations entre l'Union européenne et Haïti. Et nous aurons aussi un aspect plus festif, c'est que nous aurons un certain nombre de concerts que nous allons organiser. Il y aura notamment un certain nombre d'artistes qui vont se produire. Alors, il y a une artiste que l'on peut voir sur cette très belle affiche qui a été réalisée pour le compte du festival. C'est une artiste britannico-gambienne, donc on voit bien le lien entre l'Europe à nouveau et l'Afrique. Et elle vient ici pour jouer d'un instrument très particulier, qui je n'ai oublié le nom, Jean peut-être m'aider. La kora, donc c'est vraiment un instrument ancien, si je puis dire, de cette région. Et elle est l'une des rares femmes, je crois, au monde à pratiquer cet instrument. Et elle se produira notamment à l'Institut français avec James Germain, je crois, puisqu'on a toujours voulu associer dans l'esprit des artistes européens ou africains avec des artistes haïtiens. Également, il y aura des concerts de clôture de la Semaine de l'Europe à Jacmel, puisqu'on clôturera notre semaine à Jacmel le vendredi 11 mai. Et exceptionnellement, il y aura également un concert au Cap Haïtien, puisque l'Alliance française, qui nous accompagne souvent dans tous ces événements, nous a invités également à venir se produire à Cap Haïtien. Donc voilà, un ensemble d'événements, 28 événements au total, 28 comme le nombre de membres de l'Union européenne aujourd'hui en tout cas. Donc nous sommes très heureux de ce chiffre. Jeune fille en service avec technologie, pour nous aller plus loin, c'est sous thème ça, Conseil national télécommunication Conatel, célébré jeudi 26 avril, la journée internationale la jeune fille dans secteur technologie, information et communication. Cérémonie ça a fait en présence sélection nationale football féminin U20, président fédération haïtienne football là Yves Jean-Bart, cadre Conatel avec plusieurs élèves qui t'ai fait déplacement dans l'occasion. Yon compte rendu Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. À travers célébration Journée internationale jeune fille dans secteur technologie, information et communication, TIC, responsable Conseil national télécommunication Conatel, visé sensibiliser jeunes yo, et spécialement jeunes filles, sous métier qui lié à TIC, yon façon pour yo bénéficier opportunité secteur ça yo offri. Activité ça, c'est occasion pour responsable Conatel yo rendre hommage à sélection nationale football femme catégorie moins passé 20 années pour qualification dans Coupe du monde France 2018 là côté Grenadier yo recevoir laptop dans main responsable Conatel yo. Dans occasion président Fédération haïtienne football là Yves Jambon remercie responsable pour geste là et puis mandé accompagnement Conatel pour former Grenadier yo dans métier qui gain rapport avec TIC yo. Mais puisque il s'agit de sensibiliser les filles à l'utilisation des technologies de pointe, si vous êtes très intelligent, ou pas qu'à jouer au football pour jouer bien, ce n'est pas mon intelligent. Donc, je pense que Conatel va aider nous. Dans le secteur SAIO, apprendre à faire site web, apprendre à faire site internet, qu'on répare les téléphones, qu'on répare les ordinateurs. Elles sont très intelligentes et elles ont besoin d'apprendre. En venant ici, j'ai discuté avec Marc, mais après, le football, c'est quoi? Elles ont leur vie, elles seront jeunes, il faut qu'elles sachent quelque chose. Si nous apprenons ça, venez faire quoi pour nous? Si nous apprenons ça là-bas. Nous avons un bel laboratoire informatique pour apprendre même éducation à distance. Ça me pense, nous parlons de ça souvent, mais ça, nous sommes capables de faire effort à accompagner la directeur général Conatel l'agent David Rodney, qui mettait accent sur l'importance technologie dans le développement sport, football dans le pays, expliquer le plan de travail à toute institution dans l'État pour permettre à la jeunesse de bénéficier davantage du secteur TIC au bail. Si
aujourd'hui de sensibiliser les jeunes filles à tirer parti des métiers issus des technologies de l'information et de la communication. Et le docteur Jean-Bart a encore eu, je parle encore, de l'heureuse inspiration de parler de formation sur les métiers des TIC qui pourraient être utiles à cette jeunesse une fois qu'elle aura laissé le champ de la pratique sportive active, je dirais. Le CONATEL va y travailler activement de concert avec d'autres institutions des pouvoirs publics. Et nous pensons que la jeunesse féminine particulièrement tirera avantage à exploiter ce créneau-là, cette filière-là. Journée internationale jeune fille dans le secteur TICO, c'est une occasion pour encourager jeunes femmes et filles pour suivre études et puis faire carrière dans sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Responsable CONATEL qui réalise diverses activités dans l'occasion journée ça. Expliquer l'initiative SAYO, c'est un premier pas dans le travail de sensibilisation, conscientisation géniaux sur l'avantage technologique à capoter pour eux. Dans l'occasion de la célébration Journée internationale Jeune Fille dans TIC, président de la Fédération haïtienne de football, là, Yves Jean-Bart, profité de parler sous difficulté sélection nationale féminin U20, a fait face dans le cadre de préparation pour la Coupe du Monde de France 2018. Là. Président Yves Jean-Bart, qui aurait été croyé grâce à sport, football, géniaux capable de gagner un plus bon avenir. Invité, autorité dans l'État investi plus dans sport et puis fait géniaux plus intéressé, impliqué dans sport. Il y a un extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. Nous voici parmi les 16 meilleures nations du monde dans cette catégorie d'âge. Et on n'a pas vu de cadeau, on a rencontré quand même le pays numéro un du monde, les États-Unis, et on n'a pas été battu. Cela ne veut pas dire que nous sommes égales du pays du monde. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de difficultés, qu'il y a encore du travail. Et c'est pour ça que nous profitons de la circonstance pour demander à ce que les Haïtiens, le message soit bien capté. Que situation d'Haïti a, c'est pas nous qui sortent, c'est pas nous qui pas bons, c'est pas nous qui compétents, qui incompétents, c'est pas nous qui capables, nous pas besoin de désespérer. Situation d'Haïti avec courage, avec travail, avec solidarité, en faisant appel aux compétences, en les mettant là où elles doivent être, on est capable de faire de bonnes choses. Et je suis certain que c'est vrai que nous allons à une Coupe du Monde avec beaucoup d'inconnus. La plus grande inconnue, c'est que tous les pays connaissent déjà le programme qu'ils utiliseront avant cette Coupe du Monde. Nous sommes dans l'impossibilité de dire ce que nous ferons. Car 3 mois après la qualification, on est encore, Marc et moi, ce matin, on en a discuté, on est encore à nous demander ce que nous faisons comme programme, nous l'avons, mais comment nous allons l'utiliser, comment nous allons l'exploiter, comment nous allons le mettre en œuvre, nous ne connaissons pas. États-Unis qui sont sous 27 matchs. La Chine sous une pile quantité de matchs. Nous ne pouvons jamais jouer un match. Et pourtant, dans 3 à 4 mois, on devra être à la hauteur pour jouer. Le moment est venu donc de penser un petit peu que le salut peut venir du sport. Je pense que dans le monde entier, ils ont considéré l'autre, ils ont une image pour l'autre. J'étais là, je reviens du Nicaragua, et bien. Au Nicaragua, quand nous sommes dans les réunions, dans les assemblées, dans les stades, les gens nous regardent avec un petit peu une certaine hauteur. Parce que, ouais, c'est pas un pile de monde qui se trompe pays pas bon et qui vient ramasser gol. Ouais, nous venons camper devant tout le monde avec autorité, avec compétence. Nous jouons bien. Et je souhaitais que le pays va accompagner nous parce que ce qui se fait, c'est pas parce que tout le monde sait au café, c'est peut-être parce que circonstances météo dans le projet. Et là, je joins tout appui qu'il faut. Même si il y a des centaines et des centaines ou des milliers de jeunes filles ou de jeunes garçons qui, à travers leur vie, peuvent changer l'image du pays, mais également peuvent se forger un avenir, changer avenir, changer vie, grâce au sport et particulièrement grâce au football. Sacha, une jeune femme, 25 l'année, gagne 7 l'année depuis la pratiquer. Métier ranger téléphone dans zone Ré Docteur Aubry, Bon Cathédrale. Il y a un métier dans l'esprit en pile monde qui c'est un métier pour garçon. Sacha lui-même, comme femme, embrasse métier ça qui gagne en pile valet dans la ville. Antimas avec Hervé Pierre a présenté un reportage.
Li rele Rose André Charles. Tout moun reconnaît li sous nom Sacha. Li attire attention n'importe moun qui habite fréquenté espace bon cathédrale là. Le remarqué yon femme k'ap range téléphone cellulaire qui en panne. Bon Sacha pas de passer dans l'école professionnelle ni prend séminaire pour li pratiquer métier ça. C'est un cousin qui de la donne. Après ça, elle me demande de venir côté, chaque elle me vient côté, elle dit pourquoi tu vas venir. Et puis m'a fait l'esprit pour CV là, donc il n'y a pas de problème. Après ça, elle est venue, elle est venue vraiment, moi, elle commence à travailler. Chaque fois, elle a fait un rôle du jour, elle m'a regardé. Et puis après ça, elle a travaillé pour moi. Donc, elle a fait pour moi, mais c'est pas grave. Dans le temps, il y a un paquet de garçons, ça n'a jamais dérangé Sacha, peut-être qu'il est la seule femme qui a fait un métier ça. Satisfaction Sacha, c'est satisfaction client. Yo. Des fois, il y a un diable, on fait. Il va prendre pas le boss là, il y a lui. Quand il est là, il va venir. Et puis après ça, les gens dans le monde, si c'est mon GPS là, les brassés à venir côté là, venir en face moi, ils saisissent. Ils ont dépassé contre madame, et puis elle va aller le boss là. Elle va travailler. Des fois, tout le monde a soudé là, tout le monde vient sur moi sans rendre compte. Depuis 7 années, c'est pratique ranger téléphone qui sert source l'argent pour Sacha. Payer caille, aider ma tête, me manger. Des fois, les parents ont besoin de bagages et tout. Famille, m'aider au la donne. Selon moi-même, selon ça, je jeune. Bon, Sacha a encouragé femme actifi à prendre un métier. Si tout un métier au remède. Li voye jeté toute l'idée qui voulait faire quoi, gen métier qui réservé seulement pour garçons. Orientation pour yon nouvelle Haïti annoncée jeudi 26 avril là, li déjà tamé yon série discussion avec diverses stricties dans l'opposition hein, pour joindre nouvelle orientation sur divers problèmes pays a confronté. Coordonnateur ODEP Haïtia, Assad Volsi expliqué, c'est celle dialogue qui cap permettre pays à prendre chemin développement. Yo extrait dans micro Luinel Jean-Louis et Rémi Godjit. Je ne jodi a n'a profité annoncer que au niveau secteur démocratique là, nous commencer parler une clôt. D'ailleurs, à soi même n'a gon premier chita parler entre ODEP Haïti et le secteur démocratique côté que nous pral commencer un dialogue. Dialogue que moi t'ai lancé il y a un an, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je dis à, eh bien, secteur a commencé à comprendre la nécessité pour nous chita, et nous prenons le chita en grand monde, sans personne ne peut imposer l'idée, côté que c'est l'argument qui peut affronter pour nous capables au moins au modus operandi. Seul ça capable de permettre que nous sortions Haïti côté de là, son véritable dialogue. Confédération Travail Haïtien CTH ak plusieurs autres organisations tant que CNOHA, CTSP, CSH annoncé jeudi 26 avril là yon marche kap gen pour fête mardi 1er mai kap vini là. Marche ça organisé dans l'idée pour porter revendication sociale travail yo bay l'état haïtien. Yo extrait dans micro Midray Milias ak Moïse Wilbridge. Nous va demander 125 goud par heure, 1000 gouttes pour 8 heures de temps de travail, sans augmentation tarif, sans laisse supplémentaire par la donne, avec bon genre accompagnement social permanent. Accompagnement social doit venir. 1. Manger subventionné pour famille ouvrière. Avec logements sociaux pour toute famille ouvrière. Jour 1er mai, c'est un jour historique pour tout travailleur. Travailleuse, quel que soit dans le secteur. Depuis c'est un autre monde qui a payé ou c'est un travailleur. Et bataille syndicale a mené, ce n'est pas bataille monde qui syndiqué seulement, mais c'est bataille tout le monde qui travaille. Mouvement Organisation Populaire pour yon lot alternative Mopan, salier président République la Jovenel Moïse avec Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour décision sa yo prend pour porter quelques changements dans le gouvernement. Mopan profite renouveler engagement li pour supporter et puis porter revendication masse populaire. Yon façon pour satisfaction ka blai dans quatre coins pays ak programme caravane changement. Yon extrait dans micro Midray Milias ak Moïse Wilbridge. Jodi a Mopan sorti dans silence li pour li remercier président Jovenel ak PM Lafontaine pour décision sa yo li pote dans quelques changements dans gouvernement.
Nous-mêmes, organisation de base SAIO, nous avons salué présent 5 nouveaux chefs SAIO dans le gouvernement pour bien-être pays. Spécialement, ministre Renaldo Brunet, bienvenue dans notre ministère intérieur. Je ne veux pas pour le ministre et le directeur général la mettre tête ensemble pour lever des défis ministère. Nous d'accord pour épauler l'équipe ça pendant nous dit à tous les militants qui ont fait 22 mois de campagne pour y'aurait été tête frette parce que bagayo pral changer. Président, mon pan renouvelé engagement pour toujours supporter et puis pour tes revendications masse populaire finalement satisfaction blaye dans quatre coins pays ya ak programme caravane changement. N'a parlé santé pour quoi elle est là en fini net ak malaria sous tête d'Haïti, c'est sous thème ça ministère santé publique ak population célébré mercredi 25 avril la journée mondiale la malaria. Activité ça a fait en présence partenaire national international cadre ministère élève ak professeur yon contre-rendu Rachel Saint-Fort ak Michel Joseph. Éliminer malaria dans pays a c'est une priorité gouvernement. Célébration journée mondiale malaria té occasion pour responsable ministère santé publique ak population yo gade ak partenaire technique ak financier yo ça au fait déjà nan bataille a mené pour éliminer malaria dans pays a. Et puis chercher ensemble une bonne stratégie pour aider à faire face à des défis. Cette activité intervient dans un contexte épidémiologique marqué par une baisse du nombre de cas enregistrés de malaria, passant de 21 430 cas en 2016 à 19 135 cas en 2017. Cette baisse constitue une première depuis l'adoption du plan stratégique d'élimination. Ces résultats fort encourageants ainsi obtenus résultent des efforts qui ont été jusque-là déployés par le gouvernement de la République d'Haïti, le ministère de la Santé publique à travers l'UCP-PNCM, le personnel de santé, les ONG nationales et internationales, les acteurs du niveau communautaire et les partenaires pour la prévention et la prise en charge correcte des cas de malaria. Avec l'adoption du plan stratégique d'élimination 2016-2022, la coordination peut se féliciter du chemin parcouru. L'analyse situationnelle réalisée lors de l'élaboration de la note conceptuelle 2018-2020 a montré des avancées significatives dans divers domaines. Dans le domaine de la prise en charge, il y a lieu de souligner la révision du manuel de normes de prise en charge de la malaria, incluant les fiches techniques et les algorithmes de traitement. La dissémination de ce manuel se fera au cours du deuxième semestre de l'année 2018. Divers partenaires techniques et financiers qui étaient présents dans l'occasion félicité responsable ministère pour l'effort offert dans l'île pour jeune bout de malaria dans le pays. Pendant yo dit qu'il y a un effort qui doit continuer fait. Yo promet pour continuer à accompagner le gouvernement haïtien jusqu'à ce qu'il arrive à éliminer la malaria dans le pays. Depuis 2004, le Fonds mondial a investi près de 87 millions de dollars pour la lutte contre le malaria en Haïti, dont 21,6 millions pour la période à venir de 2018 à 2020, y inclut les intrants de santé. Cet investissement s'est toujours inscrit et continue de s'inscrire dans une démarche d'accompagnement et de soutien du ministère de la Santé publique et de la population. En tant que récipiendaire principal des subventions du Fonds mondial, l'organisation haïtienne de marketing social pour la santé est donc très honorée de collaborer avec le ministère et particulièrement le PNCM et tous les autres sous-récipiendaires ici présents pour continuer à renforcer les systèmes et les stratégies de santé visant à atteindre l'élimination de la malaria en Haïti d'ici 2020. Dans l'occasion de célébration Journée mondiale malaria, ministère Santé publique à population remet plaque au nez par responsable diverses institutions pour travail au fait dans le secteur santé dans le pays. Ministre Santé publique à population Marie-Greta Roy-Clément explique ministère après l'intensifier intervention lutte contre malaria dans zone Grand Sud là. Docteur Marie-Greta Roy-Clément dit qu'il compte sur solidarité partenaire à population. Il invite tous les citoyens à adopter un comportement responsable KPD protéger santé yo ak famille yo. Ministre Kiltia Communication Anguilaire Sedelva réagi sous grève syndicat Office Assurance véhicule contretien.
a fait depuis plusieurs semaines pour demander départ à la commission qui a fait réforme dans l'institution. D'après Guilherme Sedelva, il y a une disposition qui prend pour joindre une solution dans la crise qui a traversé au AVCT. Guilherme Sedelva, Namiko, Sainte-Croix-Paki, avec Hervé Pierre. Depuis quelques temps, il y a un problème dans l'AVCT. Côté où il y a des employés ou bien des syndiqués qui disent que qui campent le travail et il y a des revendications. Et nous-mêmes, le gouvernement, ça, lui, je voulais respecter les droits de tout syndiqué, tout employé, tout le monde en général qui t'a lésé, donc ces droits pour revendiquer. Mais revendiquer à une façon pour le faire. Revendiquer à fond vraiment le fondement. Et le que ou a revendiqué tout comme au syndicat et que seulement de à tout ou joigni, m'pa quoi qu'on y a là ou qu'on l'autre raison qu'on y a là ou a dit faut que mon aller le fin bon seulement de à et puis nous trouver ça aux gens pas très sérieux et me respecter les syndicats tout syndicat c'est doyau, c'est normal moi même de cas en place on syndiquer tout pour me des monde qui revendiquer pour moi. Donc, nous respecter ça. Question de lettre de recommandation, elle n'a pas trouvé le normal, elle n'a pas travaillé à un côté. Et puis, pendant la déjà au fin d'embauche, ou bien, on va demander qu'on y a lettre de recommandation parce que y a une réforme ou bien l'autre activité l'État a fait pour régulariser les bagages dans la boîte là, c'est normal. Mais, le syndicat dit qu'il n'y a pas question pour y avoir une lettre de recommandation. Et bien, qui est la commission qui est présidée par Wolf Dubic, t'a fait, eh bien, ils viennent d'accord avec le syndicat à faire lettre de revendication. Bon, on va sur lui. La commission a révisé la position, elle dit d'accord, il y a jusqu'à 30 avril pour bailler les documents. Donc, bon, si c'est comme ça, bon, c'est la question résolue. Bon, quand on entend la grève continue toujours, quand on là, on dit faut que la commission partie, parce que la commission a fait des bagailles, ils ne sont même pas d'accord. On ne pas comprendre. C'est une réforme qu'a faite. Et pendant. Commission qui n'a au AVCTA travail à faire mission à faire c'est pas Wolf Dubic avec l'autre membre commission son décision de l'État pour réformer une série d'institutions dans le pays pour bailler meilleur service. Dossier éducation, ministère éducation nationale avec formation professionnelle avec Office national partenariat en éducation organisé en table sectorielle sur éducation jeudi 26 avril là. Activité ça a fait dans l'idée pour permettre acte national et international yo réunis pour travailler sur quelques dossiers et puis sous plan 10 l'année éducation et formation. Reportage d'Aline Dorival et Rémi Godjit. Discussion a été portée sous plan 2017 à 2027 dans le cadre d'élaboration et mise en œuvre politique et programme développement éducation en Haïti. Ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué Agenor Cadet. Expliquer participation à objectif ministère dans quatre partenariats secteur public et privé. Le but poursuivi aujourd'hui est la relance ou la réactivation de la table sectorielle pour changer vraiment l'éducation en Haïti. La finalité de cette table sectorielle est la recherche de synergies autour des axes prioritaires de l'administration Moïse Lafontan en éducation et la convergence des moyens pour poursuivre ensemble les objectifs fixés afin de parvenir aux résultats escomptés. Mesdames et messieurs, la table sectorielle est une initiative qui consiste pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ses partenaires et les prestataires de services éducatifs de se retrouver ensemble dans le but de se situer par rapport aux enjeux éducatifs en présence, de regarder l'avenir et de fixer les parts de responsabilité des uns et des autres dans une logique d'action fondée sur le partenariat respectueux, ouvert et inclusif. Directeur général Office national partenariat en éducation, Dr Delima Pierre, fait connaître ONAPE à participer dans l'élaboration plan national éducation et formation.
C'est un point important qui permet d'assurer promotion et développement dans le domaine. Nan. Ça peut apporter une meilleure gouvernance dans le secteur éducation, hein, de meilleure qualité de service. Et puis ça peut apporter une approche consensuelle. Côté partenaire, pas capable d'intervenir, partenaire technique et financier, ONG, tout le monde qui peut intervenir dans le secteur éducation, n'est pas capable de continuer à agir à leur gré sans autorité de l'État. Ça veut dire que tout ce qui est fait dans ce secteur-là, c'est l'État qui a défini toutes conditions avec partenaires pour tout le monde agir dans le même sens pour l'amélioration du système éducatif. Table sectorielle sous éducation, ça. Témoignage fort ministre de l'Éducation nationale et partenaires liés dans le domaine nan a fait dans le cadre développement système éducatif en d'un pays. Conseil national télécommunication Conatel inauguré jeudi 26 avril la 26e laboratoire informatique yo dans lycée jeune fille dans occasion Journée internationale jeune fille dans secteur technologie information communication. Activité ça rentrée dans cadre programme Scolaritech Conatel mettait sous pied depuis 10 mois. Les gains pour objectif renforcer système éducatif là et puis aider géniaux surtout jeunes filles renforcer connaissances dans domaine informatique. Reportage Marie Dieudonne Heurteloup à Frenel Toussaint. Laboratoire ça a aidé élèves yo joindre plus d'informations qui permettent de renforcer connaissances et puis permettent d'évoluer dans le domaine informatique là. Directeur Conseil national télécommunication Jean-David Rodney était quoi initiative ça a participé dans l'intégration pays dans le domaine technologie information et communication. Puis loin, il fait connait c'est un moyen qui a aidé au changer qualité enseignement dans le pays. L'idée d'équiper le Saint-Lycée répond à la nécessité aujourd'hui de créer un vivier qui permettra au pays d'intégrer pleinement la société de l'information qui est en construction accélérée à l'échelle universelle. Cela ne peut pas se faire sans une appropriation des technologies sur une base intensive. Nous avons pensé que, en équipant les lycées de ces unités de laboratoire, nous créons les conditions pour ce que nous appelons une amélioration de la qualité d'enseignement. Directrice de ces jeunes filles, Claudel Fizé Mézéphirin, remercie Conatel pour l'initiative qu'il prend pour équiper salle informatique lycée. Li profite parler sur l'importance TICO dans le secteur éducatif là, d'après li qui bay ti moun yo accès à plus d'informations qui enrichi connaissances yo. Ils sont nombreux aujourd'hui ceux qui sont conscients que les nouvelles technologies fondées sur l'informatique, la microélectronique, les télécommunications, bref, les NTIC ou bien les NTIC restent de purs objets d'apprentissage. Elles permettent de répondre aux exigences de l'heure sur le plan de la communication et de l'information, favorisent l'accès au savoir, encouragent la recherche scientifique, s'ouvrent à la formation continue et à la connaissance sans frontières des enseignants et étudiants. Donc, fort de tout cela, vous me permettez pour conclure d'ajouter ces mots. Enseigner en ce moment ne se limite pas à diffuser des connaissances, mais bien à en construire. Activité ça rentre dans quatre programmes équipement numérique plusieurs lycées en d'un pays à Scolaritech qui commence depuis 10 mois et qui est installé dans 25 lycées. Mais quelques points nous ont développé pour une délégation, trois parlementaires français qui fait partie du groupe Amitié France-Caraïbes, qui était gagné à Kyo, ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Béton, délègue Chita Palais, jeudi 26 avril, avec président Sénat République, là, Joseph Lambert, avec plusieurs autres sénateurs sous coopération entre Haïti et la France. Caravane changement, demande pour Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine soumettre dossier, nouveau ministre avec dossier OAVCT, c'est quelques parmi sujets
ministre Kilti à communication Joseph Guiller Cedelva abordé jeudi à dans le cadre de la première conférence pour la presse Libaï. Jeune fille en servie à technologie. Pour nous aller plus loin, c'est sous thème ça. Conseil national des télécommunications Conatel célébré jeudi 26 avril là, journée internationale jeune fille dans secteur technologie information à communication. Cinquième édition semaine de l'Europe en Haïti a réalisé sauti 30 avril pour arriver 15 mai dans quatre villes dans PIA. D'après un représentant Union européenne en Haïti, Vincent Degère, activité qu'il tirait l'artistique ça, cap gain pour lancer dans ville Gonaïve. Plan international organisé jeudi 26 avril, là, il y a un salon sous éducation avec représentants différents secteurs et puis espèces dans le domaine risque à catastrophe naturelle. C'est là nous fermons le journal là pour Asoya. Merci pour fidélité et attention. Bonne nuit tout le monde.